au détour. Jésus Christus, loué soit Jésus-Christ. Bonjour à toutes et à tous. Xavier Sartre avec vous en direct depuis la place Saint-Pierre pour ce consistoire ordinaire public pour la création de nouveaux cardinaux. Une célébration bien évidemment présidée par le pape François qui va donc créer en ce samedi 30 septembre 2023 21 nouveaux cardinaux de l'Église romaine. Bonjour à toutes et à tous, bonjour à toutes celles et ceux qui nous suivent via notre site internet www.vaticannews.va ainsi que celles et ceux qui nous suivent via notre chaîne YouTube ou notre page Facebook. Un salut tout particulier également à celles et ceux qui nous suivent via nos partenaires. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de collaborer avec EWTN, Santa Maria Network au Liban, C'est les Lumières Télé, Radio Espérance et Radio Grupo, Radio Centrafricaine. Un grand bonjour à vous tous donc qui nous écoutez où que vous soyez. Ce consistoire se déroule donc place Saint-Pierre, sous un soleil automnal mais avec des températures estivales. Les 21 futurs nouveaux cardinaux font leur entrée en procession. Des cardinaux qui viennent du monde entier, le pape François renouvelle ainsi le collège cardinalis. En ayant choisi des cardinaux venus des 5 continents, mais également des cardinaux dits de curie, c'est-à-dire ceux qui sont au contact direct avec le Saint-Père, ici même au Saint-Siège, et qui sont à la tête de dicastères. Le premier d'entre eux est Monseigneur Prévost, le préfet du dicastère pour les évêques, un Américain d'origine française. Prévost si on prononce à l'anglaise, Prévost si on prononce à la française. Monseigneur Cugerotti, un Italien préfet du dicastère pour les églises orientales. Monseigneur Victor Manuel Fernandez, un Argentin nommé il y a peu préfet du dicastère pour la doctrine de la foi. Et puis, ce n'est pas une nouveauté, mais c'est assez rare pour être souligné, le pape François va créer cardinaux plusieurs nonces apostoliques, ses représentants du pape et du Saint-Siège auprès des églises nationales. Parmi eux, le Suisse Émile-Paul Tschirig, le Français Christophe Pierre. Il y a également le patriarche de Jérusalem, le patriarche latin, Monseigneur Pizzaballa. Puis ensuite, il y a des cardinaux, futurs cardinaux, qui viennent donc de différentes églises. Monseigneur Brilin, du Cap, en Afrique du Sud. Monseigneur Rossi, l'archevêque de Cordoba, en Argentine. Monseigneur Rueda Paricio, l'archevêque de Bogota. Monseigneur Rich, l'archevêque de Łódź, en Pologne. Monseigneur Moula, l'archevêque de Djouba au Soudan du Sud, où le pape s'est rendu en début d'année. Monseigneur Cobocano, l'archevêque de Madrid. Monseigneur Ugwambwa, l'archevêque coadjuteur de Tabora en Tanzanie, qui avant d'être nommé en Tanzanie, a travaillé au sein de la curie. Il y a également Monseigneur Francis, l'évêque de Penang, c'est en Malaisie. Monseigneur Cho So Yan, l'évêque de Hong Kong. Monseigneur Bustillo, l'évêque d'Ajaccio. Monseigneur Alves Aguiar, l'évêque élu de Setúbal au Portugal, que l'on a beaucoup vu à l'occasion des Journées mondiales de la jeunesse de Lisbonne. Il y a également le père Fernandez Artime, le recteur majeur des Salésiens. Monseigneur Marchetto, un autre nonce apostolique, le troisième de cette promotion.
Monseigneur Padron Sanchez, l'archevêque émérite de Cumana au Venezuela, et puis le père Dri, Luis Pascual Dri, In nomine Patris et Filii et Spiritus qui est confesseur Amen. En Argentine. Grazie a voi, se passa Deo, Padre nostro, e Domino nostro, Gesù Cristo. Et cum spiritu tuo. Le pape François qui vient d'ouvrir solennellement ce consistoire ordinaire public. Les futurs cardinaux qui recevront la barrette cardinaliste d'ici quelques instants sont installés au premier rang, bien évidemment. Et c'est Monseigneur Prévost qui adresse le salut au nom de tous les cardinaux. Très Saint-Père, au nom de tous les cardinaux élus, je désire vous exprimer notre gratitude ainsi que le profond respect et l'affection qui nous unissent en ce moment. Nous vous remercions parce que le choix que vous avez fait nous permet d'être toujours plus au service de la mission d'annoncer joyeusement le message de l'Évangile. Nous ressentons profondément le poids de cette nouvelle responsabilité, conscients de notre insuffisance. Nous vous sommes reconnaissants parce que, par cette nomination, vous nous estimez dignes de votre confiance et capables d'exprimer un discernement utile au gouvernement complexe de l'Église universelle. À partir de votre exemple personnel, nous nous sentons exhortés à rechercher la radicalité évangélique dans toutes nos actions, à orienter notre pensée vers une lecture de l'Église et du monde que nous voudrions voir avec un regard capable de communiquer l'amour et la miséricorde de Dieu. Nous ne pouvons pas cacher notre conscience du poids de ce nouveau service. Nous savons qu'une charge porte un fardeau. Ce que les Latins résumaient par l'expression « onus abet onus », tout honneur porte un fardeau. Ou pour citer saint Augustin, magis onus est quam honor. Ceux qui travaillent à la main savent que pour porter un fardeau en toute sécurité, il vaut mieux ne pas le soulever trop loin du sol, de cet humus qui nous amène à l'origine de ce qui est fondamental pour tout disciple du Christ, l'humilité. Cette tâche est donc un appel à l'humilité. Questo compito è una chiamata all'umiltà. È Cristo. C'est le Christ qui nous interpelle à travers votre personne, Saint-Père. Et nous saisissons cette occasion pour implorer avec plus d'insistance l'assistance de l'Esprit Saint de Dieu pour servir si nécessaire usque ad effusionem sanguinis. Saint-Père, vous avez voulu célébrer ce consistoire public avant d'inaugurer le prochain synode sur la synodalité. Être une église synodale qui sait écouter tout le monde, c'est le moyen non seulement de vivre personnellement la foi, mais aussi de grandir dans une véritable fraternité chrétienne. Vous nous avez rappelé qu'il est nécessaire d'apprendre à écouter comme les saints, comme saint François d'Assise qui écoutait la voix de Dieu, la voix des pauvres, la voix des malades, la voix de la nature. Faites de tout un mode de vie. Au-delà de la recherche de nouveaux programmes ou modèles pastoraux qui sont toujours nécessaires et importants, je crois que nous devons toujours mieux comprendre que l'Église n'est pleinement telle que lorsqu'elle écoute vraiment, lorsqu'elle marche comme le nouveau peuple de Dieu dans sa merveilleuse diversité, redécouvrant continuellement son propre appel baptismal à contribuer à la diffusion de l'Évangile et du royaume de Dieu. La beauté de l'universalité de l'Église qui se manifestera dans le déroulement du synode sera un signe très important qui pourra parler de la mission que nous tous baptisés avons reçue en communion avec le successeur de Pierre et dans la profession de la même foi. Saint-Père, aujourd'hui, c'est nous qui vous disons, n'oubliez pas de prier pour nous.
Puisse ces nouveaux gonds que vous établissez aujourd'hui contribuer à rendre la porte de l'Église universelle plus prompte à s'ouvrir, plus prompte à accueillir, plus apte à écouter le monde. Merci Saint-Père. C'était le salut initial adressé par le cardinal, le futur cardinal Prévost, préfet du dicastère pour les évêques, au pape François. Salut bien évidemment lu au nom de tous les futurs cardinaux réunis, donc place Saint-Pierre à l'exception du père Dri, qui à l'âge de 96 ans est resté en Argentine. Prions. Domine Deus, Pater Gloriae, Fons Bonorum, Ulicet Ecclesiam Tuam, Toto Orbe Diffusam, Lagitate, Seigneur Dieu, Père de la gloire, source de tout bien, toi qui ne cesses d'enrichir ton Église de larges biens travers le monde et qui regardes avec une bienveillance particulière le siège du bienheureux apôtre Pierre que tu as voulu mettre au-dessus de tous. Par ta providence, concède-moi ton serviteur d'exprimer convenablement le mandat que tu m'as confié dans la certitude que tu donneras à l'Église universelle tout ce que tu lui as promis, vers laquelle tout est dirigé. Par notre Seigneur Jésus-Christ, ton Fils, qui est Dieu et vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Cette prière initiale. Ascoltate la parola di Dio dagli atti degli apostoli. Écoutez la parole de Dieu des actes des mentre stava compiendosi il giorno des actes des apôtres. Si trovavano tutti chapitre 2 verset 1 à 11. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues, qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux, venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion, parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient : ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle ? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler dans nos langues. Des merveilles de Dieu. Voilà cette lecture tirée des actes des apôtres. Qui revient sur ce récit de la Pentecôte. Le pape François doit maintenant prendre la parole et s'adresser donc aux futurs cardinaux. Pensando a questa celebrazione, en pensant à cette célébration, et en particulier à vous, chers frères qui allez devenir cardinaux, ce texte des actes des apôtres m'est venu à l'esprit. C'est un texte fondamental, le récit de la Pentecôte, le baptême de l'Église. Mais en réalité, un détail particulier a attiré mon attention. Cette expression sortie de la bouche des Juifs résidant à Jérusalem. Ils disent « Nous sommes Parthes, Mèdes et Élamites », et ainsi de suite. Cette longue liste de peuples m'a fait penser aux cardinaux qui,
grâce à Dieu, sont originaires de toutes les parties du monde, des nations les plus diverses. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi ce passage biblique. En le méditant ensuite, je me suis rendu compte qu'une sorte de surprise se cachait dans cette association d'idées. Une surprise dans laquelle il m'a semblé reconnaître avec joie, pour ainsi dire, l'humour de l'Esprit-Saint. Pardonnez-moi cette expression. Quelle est cette surprise? Elle consiste dans le fait que normalement, nous, pasteurs, lorsque nous lisons le récit de la Pentecôte, nous nous identifions aux apôtres. Il est normal qu'il en soit ainsi. Par contre, ces partes, mèdes et lamites, etc., que dans mon esprit j'avais associés aux cardinaux, n'appartiennent pas au groupe des disciples. Ils sont hors du cénacle. Ils font partie de cette foule qui s'est rassemblée en entendant le bruit causé par le vent impétueux. Les apôtres étaient tous galiléens, tandis que les gens qui s'étaient rassemblés étaient de toutes les nations sous le ciel, comme le sont les évêques et les cardinaux à notre époque. Une telle inversion des rôles donne à réfléchir, et en la regardant de plus près, elle révèle une perspective intéressante que je voudrais partager avec vous. Il s'agit de nous appliquer, moi le premier, l'expérience de ces Juifs qui, par un don de Dieu, se sont trouvés protagonistes de l'événement de la Pentecôte, c'est-à-dire du baptême dans l'Esprit-Saint, donnant naissance à une Église une, sainte, catholique et apostolique. Je résumerai cette perspective de la manière suivante. Redécouvrir avec étonnement le don d'avoir reçu l'Évangile dans nos langues. Repenser avec gratitude au don d'avoir été évangélisé et d'avoir été tiré de peuples qui, chacun en son temps, ont reçu le kérigme, l'annonce du mystère du salut, et qui, en l'accueillant, ont été baptisés dans l'Esprit-Saint et sont entrés dans l'Église. L'Église mère, qui parle dans toutes les langues, qui est une et qui est catholique. Alors cette parole du livre des Actes nous fait penser qu'avant d'être apôtre, avant d'être prêtre, évêque, cardinaux, nous sommes partes, mèdes, élamites, etc., etc. Et cela devrait éveiller en nous l'étonnement et la gratitude pour avoir reçu la grâce de l'Évangile dans nos peuples d'origine respectifs. Je pense que cela est très important et qu'il ne faut pas l'oublier. Car c'est là, dans l'histoire de notre peuple, je dirais dans la chair de notre peuple, que l'Esprit-Saint a opéré le miracle de la communication du mystère de Jésus-Christ mort et ressuscité. Et il nous est parvenu dans nos langues, sur les lèvres et dans les gestes de nos grands-parents et de nos parents, des catéchistes, des prêtres, des religieux. Chacun de nous peut se souvenir de voix et de visages concrets. La foi est transmise en dialecte. N'oubliez pas cela. La foi est transmise en dialecte, c'est-à-dire par les mères et les grands-mères. Nous sommes en effet des évangélisateurs dans la mesure où nous gardons dans notre cœur l'émerveillement et la gratitude d'avoir été évangélisés. Ou plutôt d'être évangélisé, parce qu'en réalité, il s'agit d'un don toujours actuel qui demande à être continuellement renouvelé dans la mémoire et dans la foi. Évangélisateurs, évangélisés, et non pas fonctionnaires. Frères et sœurs, chers cardinaux, la Pentecôte, comme le baptême de chacun d'entre nous, n'appartient pas au passé. C'est un acte créateur que Dieu renouvelle continuellement. L'Église et chacun de ses membres vit de ce mystère toujours actuel.
Elle ne vit pas de rente, encore moins d'un patrimoine archéologique aussi précieux et noble soit-il. L'Église et chaque baptisé vit dans l'aujourd'hui de Dieu par l'action de l'Esprit-Saint. Même l'acte que nous accomplissons ici en ce moment a un sens si nous le vivons dans cette perspective de foi. Et aujourd'hui, à la lumière de la parole, nous pouvons saisir cette réalité. Vous, nouveaux cardinaux, vous êtes venus de différentes parties du monde. Et le même esprit qui féconda l'évangélisation de vos peuples renouvelle maintenant en vous votre vocation et votre mission dans l'Église et pour l'Église. De cette réflexion à partir d'une surprise féconde, je voudrais simplement tirer une conséquence pour vous, frères cardinaux, et pour votre collège. Fratelli cardinali, e per il vostro collegio. Et je voudrais l'exprimer par une image, celle de l'orchestre. On utilise beaucoup cette image. Le collège cardinalis est appelé à ressembler à un orchestre symphonique, représentant la symphonie et la synodalité de l'Église. Je dis aussi synodalité, non seulement parce que nous sommes à la veille de la première assemblée du synode, qui porte précisément sur ce thème, mais aussi parce qu'il me semble que la métaphore de l'orchestre peut bien éclairer le caractère synodal de l'Église. Une symphonie vit de la composition savante des timbres des différents instruments. Chacun porte sa contribution, parfois seul, parfois uni à un autre, parfois avec tout l'ensemble. La diversité est nécessaire, elle est indispensable. Mais chaque son doit concourir au dessein commun. Et pour cela, l'écoute mutuelle est fondamentale. Chaque musicien doit écouter les autres. Si l'on n'écoutait que soi-même, aussi sublime que puisse être son propre son, cela ne servirait en rien la symphonie. Et il en serait de même si une partie de l'orchestre n'écoutait pas les autres, mais jouait comme si elle était seule. Comme si elle était le tout. Et le chef d'orchestre est au service de cette sorte de miracle qu'est chaque fois l'exécution d'une symphonie. Il doit écouter plus que tous les autres. Et en même temps, sa tâche est d'aider chacun et tout l'orchestre à développer au maximum la fidélité créative. Une fidélité à l'œuvre qui est exécutée, mais créative, capable de donner une âme à la partition, de la faire résonner dans l'ici et le maintenant d'une manière unique. Chers frères et sœurs, il nous est bon de nous reconnaître dans l'image de l'orchestre pour apprendre davantage à être Église symphonique et synodale. Je la propose en particulier à vous, membres du Collège Cardinalis, dans la consolante confiance que nous avons pour Maître l'Esprit-Saint, le Maître intérieur de chacun. C'est lui le protagoniste. C'est le maître du cheminement commun. Il crée la variété, l'unité. Il est l'harmonie même. Saint Basile cherche une synthèse. Ipse harmonia est quand il dit cela. Lui, il est la même harmonie. Nous nous confions à sa conduite douce et forte et à la protection prévenante de la Vierge Marie. Voilà, c'était le discours du pape François aux nouveaux cardinaux à l'occasion de ce consistoire ordinaire public qui se déroule place Saint-Pierre, où aura lieu ce soir, en fin d'après-midi plus justement, une grande veillée de prières à quelques jours de l'ouverture de ce synode sur la synodalité. Voilà, on voit bien sur cette image à la gauche du Saint-Père, les 20 nouveaux cardinaux présents, le 21e est resté en Argentine.
et à la droite du Saint-Père, les cardinaux qui, d'ici quelques dizaines de minutes, accueilleront parmi eux en leur sein ces 20 nouveaux venus. Les nouveaux venus donc de toutes les parties du monde, comme l'a rappelé le pape dans son discours. Des cardinaux de curie, des cardinaux de diocèse, également un supérieur majeur d'une congrégation, les Salésiens en l'occurrence, ou un prêtre confesseur capucin qui confessa lui-même le pape François quand il était encore en Argentine. On va commencer maintenant le rite de création des nouveaux cardinaux. Fratres carissimes, très chers frères, nous nous préparons à accomplir un acte agréable et grave de notre ministère sacré. Il concerne tout d'abord l'Église qui est à Rome, mais il intéresse aussi l'entière communauté ecclésiale. Nous appellerons à faire partie du collège des cardinaux certains de nos frères, pour qu'ils soient unis au siège de Pierre plus étroitement, deviennent des membres du clergé de Rome et coopèrent plus intensément à notre service apostolique. Revêtus de la pourpre sacrée, ils devront être d'intrépides témoins du Christ et de son évangile dans la cité de Rome et dans les régions plus lointaines. C'est pourquoi, avec l'autorité de Dieu Tout-Puissant, des saints apôtres Pierre et Paul, et par nous, nous créons et proclamons solennellement cardinaux de la Sainte Église romaine nos frères. Voici donc la liste des nouveaux cardinaux. Robert Francis Prévost. Claudio Guggerotti, Victor Manuel Fernandez, Emile Paul Cherig, Christophe Pierre, Pierre Battista Pizzaballa, Stephen Brill, Angel Sixto Rossi, Luis José Rueda Aparicio, Segor Rich, Stephen Ameyu Martin Mula, José Cobocano, Protas Rugambo, Sebastian Francis, Stefan Cho Soyan, François Xavier Bustillo, Américo Manuel Alves Aguiar, Ángel Fernández Artime, Agostino Marchetto, Diego Rafael Padran Sanchez, Luis Pascual Dri, Roberto Francisco Prevos, Claudio Guggerotti, Victor Emanuele Fernandez, Emilio Paulus Cheri, Cristoforus Pierre, Angelo Fernandez Artime. Le pape qui répète la liste des nouveaux. Ludovicus Pascalis Dri. Relicos vero omnes adornem pertinem volumus cardinalium presbyterum. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancto. Amen. Et maintenant, chacun des 20 nouveaux cardinaux présents s'approche du Saint-Père, puisqu'ils vont recevoir la barrette, ce chapeau carré, ainsi que l'anneau. Et voilà qui se présentent et qui se mettent en ligne devant François pour cette profession de foi qu'ils vont faire. À l'occasion de ce consistoire.
Très chers frères, professez maintenant devant le saint peuple de Dieu votre foi en Dieu un et trine et votre fidélité envers la Sainte Église catholique et apostolique. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Dominum nostrum, qui conceptus est de Spiritu Sancto, natus ex Maria Virgine, passus sub Pontius Pilato, crucifixus, mortuus et sepultus, descendit ad inferos, tertia die resurrexit a mortuis, ascendit ad celos, sedet ad dexteram Dei Patris omnipotentis, in de venturus est judicare vivos et mortuos. Credo in Spiritum Sanctum, Sanctam Ecclesiam Catholicam, Sanctorum Communionem, Remissionem Peccatorum, Carnis Resurrectionem, Vitam Aeternam. Amen. Ego Robertus Franciscus, Sancte Romani Ecclesiae, moi, Robert Prévost, cardinal de la Sainte Église romaine, prévôt, promet, jure de demeurer maintenant et pour toujours jusqu'au jour de ma mort, fidèle au Christ et à son Évangile, constamment obéissant à la Sainte Église apostolique romaine, au bienheureux Pierre, dans la personne du souverain pontife François et de ses successeurs canoniquement élus, de toujours préserver par les paroles et les actes la communion avec l'Église catholique, de ne dire à personne ce qui m'aura été confié de préserver et dont la révélation pourrait porter préjudice ou déshonorer la Sainte Église, d'accomplir avec grande diligence et fidélité les tâches auxquelles je serai appelé dans mon service à l'Église selon les normes du droit. Que Dieu Tout-Puissant m'aide ainsi. Quibus tenior erga ecclesiam, in quam ad meum servicium exercendum, secundum iuris prescripta, vocatus sum, ita me Deus omnipotens adjuvet. Voilà, chacun des 20 cardinaux présents a donc prêté serment. Pour la gloire de Dieu Tout-Puissant et pour l'honneur du siège apostolique, reçois cette pourpre en signe de la dignité de l'office de cardinal. Elle signifie que tu es prêt à l'accomplir avec force, au point de donner ton sang pour l'accroissement de la foi chrétienne, pour la paix et l'harmonie au sein du peuple de Dieu, pour la liberté et l'extension de la Sainte Église catholique et romaine. Par ces mots, le pape François va donc remettre la barrette à chacun des nouveaux cardinaux. Le premier à s'avancer, à se genouiller devant le Saint-Père et le cardinal Prévost, le préfet du dicastère pour les évêques. Le voilà coiffé de la barrette. Et nobis direction et principes apostolaux, direction tuam erga ecclesiam romanari. Ad honorem. Reçois l'anneau de la main de Pierre et sache qu'avec l'amour du prince des apôtres, ton amour vers l'Église se renforce. En l'honneur du Dieu Tout-Puissant et des saints apôtres Pierre et Paul, nous te confions le titre. Amen. La diaconie de Sainte Monique. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que la paix du Seigneur soit toujours avec toi. François qui coiffe le cardinal Guggerotti de la barrette et qui répète la même formule, reçoit l'anneau de la main de Pierre et sache qu'avec l'amour du prince des apôtres, ton amour vers l'Église se renforce.
le cardinal Guggerotti qui se voit confier la diaconie de Saint-Ambroise de la Massima. Tous ces titres ou ces diaconies symbolisent bien évidemment l'union de tous les cardinaux autour du pape François qui est évêque de Rome, pour rappeler le lien étroit qu'il y avait au tout début de l'Église entre le pape et les différents évêques ou diacres qui l'entouraient dans la ville éternelle. De Mano Petri. Et nobilis selectione principis apostolorum direction. C'est au tour maintenant du cardinal Fernandez, un Argentin. Ancien archevêque de La Plata avant d'être appelé à la tête du dicastère pour la doctrine de la foi. Et qui se voit confier la diaconie de Saint-Urbain et Laurent à Prima Porta. Un nonce apostolique, nonce en poste à Rome auprès du gouvernement italien, le Suisse Émile Paul Tschérig, lui aussi coiffé de la barrette cardinalis, et qui reçoit l'anneau cardinalis. Et qui va recevoir la diaconie de Saint Joseph in via triumphale. Santi Joseph ad via triumphale, in nomine Patris et Filii Spiritus Sancti. Pax Domini sint pro. C'est pour ça que quand vous vous promenez dans les rues de Rome, certaines églises ont un blason d'un des cardinaux, d'où qu'ils viennent, ils ont leur église ici à Rome. Voici le français Christophe Pierre, nonce apostolique à Washington aux États-Unis, et qui va se voir confier la diaconie de Saint-Benoît hors de la porte Saint-Paul. Honorem Dei omnipotenti, sexantorum apostolorum Petri et Pauli, tibi comitimus diaconiam, sancti benedicti extraportam sancti Pauli, in nomine Patris et Filii et Spiritui Sancti. C'est le deuxième nonce à recevoir la barrette cardinalis en ce consistoire. Voilà, Monseigneur Christophe Pierre qui remercie le pape François. Comme vous le voyez également sur les images, les nouveaux cardinaux vont ensuite saluer, disons, leurs collègues. Voici maintenant Pier Battista Pizzaballa, le patriarche latin de Jérusalem, un franciscain. Honorem Dei omnipotenti, sexantorum apostolorum Petri et Pauli, tibi comitimus tibi, qui va recevoir le titre de Saint Onofrius. Le pape qui lui dit bon courage, le cardinal Pizzaballa. Accompagné par de nombreux pèlerins de Terre Sainte. Monseigneur Stéphane Brilin, l'archevêque du Cap en Afrique du Sud, qui reçoit le titre de Sainte Marie Dominique Mazzarello. Sainte Marie Dominique Mazzarello, in nomine Patris et Filii Spiritus Sancti. Amen. Bravo, Saint-Jean. Félicitations. Le pape François qui, outre la formule rituelle en latin,
adresse à chacun un petit mot. C'est au tour de Mgr Angel Sixto Rossi, l'archevêque de Córdoba, en Argentine. Un autre compatriote du pape François, qui reçoit le titre de Sainte Bernadette Soubirous. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Acipe annulum de manu Petri. Et nobis dilectione principis apostolorum. Voici. Dilectione tua era ecclesia in Rovere. Can Luis José Rueda Aparicio, l'archevêque de Bogota en Colombie, et qui reçoit le titre de Saint Luc à Via Prenestina. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Prochain s'agenouiller devant le pape François pour recevoir la barrette et le polonais Grzegorz Rysz. L'archevêque de Łódź. Et nobis dilectione principis apostolorum, dilectione tua et ecclesia in Rovere. Il reçoit le titre de Saint Cyril et Méthode. Tibi commitimus titulum Santorum Cyrilli et Methodi in nomine Patris et Filii Spiritus Sancti. S'agenouille maintenant Mgr Stephen Ameyou Martin Moula, l'archevêque de Djouba, au Soudan du Sud. C'est la capitale, c'est lui qui a reçu le pape François lors de son voyage en début d'année au Soudan du Sud. Voyage qui avait porté également le pape François en République démocratique du Congo à Kinshasa. Le cardinal Moula reçoit le titre de San Gemma Galgani. Et le pape François qui salue chaleureusement donc chacun de ses cardinaux. Cardinal Lamoulin, qui a été accompagné par une délégation du Soudan du Sud, s'avance maintenant Monseigneur José Cobocano, l'archevêque de Madrid, et qui reçoit le titre de Sainte Marie à Montserrat des Espagnols. Tibi commitimus titulum Sainte Marie Hispanorum di Monte Serrato. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. C'est au tour de Mgr Protase Rugomwa, l'archevêque coadjuteur de Tabora en Tanzanie, ancien collaborateur de la curie,
qui reçoit le titre de Sainte Marie à Monte Sante. Sainte Marie in Monte Santo, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. La joie également du Saint-Père qui crée ses cardinaux. C'est lui qui les a choisis, seul, sans contrainte. Parmi ces hommes qu'il a choisis, Mgr Sébastien Francis, l'évêque de Penang en Malaisie. Cardinal Francis, qui reçoit le titre de Sainte Marie, cause de notre joie. Lui aussi, on l'entend venu avec un groupe de pèlerins pour l'accompagner ici à Rome, au pied du pape François. Un autre cardinal venu d'Asie, l'évêque de Hong Kong, le cardinal Stephen Chosoyan, qui reçoit le titre de Saint Jean-Baptiste de la Salle. Cardinal Chosoyan, qui s'était rendu en Mongolie au début du mois à l'occasion du voyage apostolique du Saint-Père. Voici Monseigneur François-Xavier Bustillo, l'évêque d'Ajaccio. Reçois l'anneau de la main de Pierre et sache qu'avec l'amour du prince des apôtres, ton amour vers l'Église se renforce. En l'honneur de Dieu Tout-Puissant et des saints apôtres Pierre et Paul, nous te confions le titre de Sainte Marie Immaculée de Lourdes à Beaucaire. Voilà, comme vous l'avez entendu, lorsque son nom avait été cité pour la première fois par le pape François, le cardinal Bustillo, l'évêque d'Ajaccio, est venu avec une grande communauté de Corses. Ils sont environ 800 à avoir fait le déplacement et qui partagent cette joie d'avoir pour la première fois dans leur histoire un cardinal. Le cardinal Américo Manuel Alves Aguilar, l'évêque élu de Setúbal, et qui reçoit le titre de Saint Antoine de Padoue, in via Merulana. Saint Antoine de Padoue qui était originaire du Portugal, de Porto. Carmel Alves Aguilar, que l'on a vu également à l'occasion des Journées mondiales de la jeunesse de Lisbonne, dont il a été un des organisateurs. Voici le cardinal Ángel Fernández Artime, le recteur majeur de la Société salésienne de Saint-Jean Bosco, les Salésiens. Il reçoit le titre de Saint Gaëtan.
Acipe annulum de manu Petri, et nobilis directione principis apostolorum, directionem tuam erga ecclesiam rurale. Ad honorem Dei omnipotentis, ex santorum apostolorum Petri et Pauli, tibi committimus diaconiam Sante Maria Goretti, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Il cardinale Agostino Marchetto chiama sulla diaconia di Santa Maria Goretti. Auparavant, le cardinal Angel Fernandez Artime avait reçu la diaconie de Sainte Marie Auxiliatrice via Tuscolana. Acipe annulum de manu Petri. Et nobilis directione principis apostolorum, directionem tuam ecclesiam rurale. Ad honorem Dei omnipotentis, ex santorum apostolorum Petri et Pauli, tibi committimus titulum Sancti Caetani, in nomine Patris. Le cardinal Diego Rafael Padron Sanchez, l'archevêque émérite de Cumana au Venezuela, reçoit donc le titre de Saint Gaétan. Le dernier, le cardinal Luis Pasquadri. Commitimus diaconiam santi angeli in foro piscario cardinali Ludovico Pascali Dri chiaves. Voilà le pape François qui annonce que Luis Pasquadri se voit confier la diaconie de Saint Angel in pescheria. Ce confesseur âgé de 96 ans, confesseur argentin, capucin, qui n'a pas pu faire le déplacement, mais qui recevra bien évidemment la barrette et l'anneau lors d'une célébration en Argentine. Avec de Buenos Aires qui confiera cette barrette et cet anneau au cardinal Dri. Voilà les nouveaux cardinaux qui continuent donc de saluer leur nouveau frère du collège cardinalis. Après ce consistoire, comme le veut la tradition, les nouveaux cardinaux recevront à l'intérieur du palais apostolique les félicitations de celles et ceux qui veulent les saluer et leur souhaiter une bonne chance dans cette nouvelle mission à laquelle ils ont été appelés par le pape François. Une mission donc au service de l'Église universelle et de l'Église de Rome. Cardinaux venus du monde entier sont venus pour l'occasion. Ils représentent tous l'universalité de l'Église auprès du pape François. Le collège cardinalis, après ce consistoire, compte 242 membres, 138 électeurs. Demain, ils ne seront plus que 137. Puisque le cardinal Rosario du Bangladesh atteindra l'âge de 80 ans. Comme vous le savez, les membres du collège cardinalis qui ont atteint les 80 ans, eh bien, ne sont plus électeurs. C'est-à-dire qu'en cas de conclave, ils ne pourront pas participer à l'élection du nouveau pape. Ils pourront participer, bien sûr, aux congrégations générales qui ont lieu avant le conclave à proprement parler, mais ne pourront donc pas voter. En revanche, tous ceux qui ont moins de 80 ans au jour du conclave peuvent participer
au vote. Parmi ces ...242 cardinaux, 131 ont été créés par le pape François. Sur ces 131, il y en a 100 qui sont électeurs, 99 demain. 64 cardinaux ont été créés en revanche par le pape Benoît XVI, dont 29 sont électeurs, et 47 l'ont été par Jean-Paul II. Parmi eux, 9 électeurs. Voilà les cardinaux qui ne se connaissent pas nécessairement tous, bien évidemment, puisqu'ils viennent des quatre coins du monde. On l'a vu, de Cordoba, Bogota, mais également Penang en Malaisie, Hong Kong, Le Cap en Afrique du Sud, Vouch en Pologne. Tous n'ont pas nécessairement l'occasion de se rencontrer, de partager un moment avec les autres. Et donc ce consistoire, c'est aussi l'occasion de faire connaissance avec ces autres cardinaux qui seront appelés un jour à se réunir de toute façon tous ensemble pour un futur conclave. Il y a donc les cardinaux de Curie, ceux qui travaillent au Vatican, au Saint-Siège, le plus souvent à la tête d'un dicastère, comme le cardinal Prévost, ou le cardinal Cugerotti, ou le cardinal Fernandez. Puis il y a ceux qui sont évêques ou archevêques dans un diocèse. Il y a, et c'est rare, un recteur d'une congrégation religieuse, ou bien, dirais-je, un simple, entre guillemets, confesseur dans un sanctuaire, mais dont le service auprès des fidèles est reconnu et qui se voit en quelque sorte récompensé par le pape. Chaque cardinal a été est accompagné par une délégation plus ou moins importante, bien évidemment, venue de son pays. Et comme à son habitude, la place Saint-Pierre, des accents universels. Place Saint-Pierre qui accueillera dans quelques heures maintenant une grande veillée de prière autour du pape François et de plusieurs représentants des églises chrétiennes à l'occasion de la prochaine ouverture du synode des évêques, un synode sur la synodalité. Un moment qui se veut aussi donc écuménique, avec la participation notamment du patriarche écuménique de Constantinople, Bartholomée, ou du chef de l'église anglicane, Justin Welby. Ce consistoire maintenant touche à sa fin. Les nouveaux cardinaux prennent maintenant leur place à la droite du Saint-Pierre. Ils étaient à gauche auparavant, avant de recevoir la barrette et l'anneau, ainsi que leur titre ou diaconie. Titre ou diaconie qui, je vous le rappelle, donc symbolise l'union de tous les cardinaux avec le Saint-Père. Le Saint-Père qui est évêque de Rome, et donc chacun bien reçoit une paroisse en quelque sorte de Rome. Pour rappeler aussi le lien entre les tout premiers papes
et le clergé romain de l'époque. On voit encore des drapeaux, des JMJ de Lisbonne, un grand moment qui a marqué cet été et auquel a pris part le cardinal Aguillar, qui va rejoindre le diocèse de Setúbal. Setúbal qui se trouve donc non loin de Lisbonne, un petit peu plus au sud. La grande joie en général pour chacun des peuples qui sont représentés au sein de ce collège cardinalis, qui ont été particulièrement mis en lumière lors de ce consistoire. On voit tous les drapeaux portugais, argentins, corses, vénézuéliens. Le cardinal Padron Sanchez, l'archevêque émérite de Cumaná au Venezuela, qui était le dernier à recevoir la barrette aujourd'hui, a notamment été le président de la conférence épiscopale du Venezuela pendant de nombreuses années, au plus fort de la crise qui a touché ce pays. Il a dû notamment gérer les relations délicates avec le gouvernement de Hugo Chavez ou de son successeur Nicolas Maduro. Il ne participera pas au prochain conclave, ayant dépassé les 80 ans, tout comme le cardinal Marchetto ou le père Dri. Ce sont les cardinaux dits non électeurs. François qui d'ici quelques instants devrait conclure cette cérémonie, ce consistoire ordinaire public. Ce soir, le pape participera donc à cette grande veillée de prière que vous pourrez suivre bien évidemment en direct commenté en français. Qui récitera la prière de l'Angélus demain à midi, comme tous les dimanches, depuis la fenêtre des appartements apostoliques. Tous ces événements, bien évidemment, vous pouvez les suivre sur notre site internet www.vaticannews.va, sur notre page Facebook, sur notre chaîne YouTube, et via nos partenaires.
nous sont toujours fidèles comme vous tous. Maintenant, proclamons la prière que le Christ nous a laissée comme modèle de chaque prière. Notre Père, chanté en latin. Dieu, dont la voix universelle est toujours la miséricorde et la vérité, soutiens par ta munificence tes créatures. Et ce qui n'est pas possible à la fragilité humaine, accorde-le avec miséricorde par ta grâce, afin que tes serviteurs, dans l'édification constante de ton Église et fondée dans l'intégrité de la foi, resplendissent lumineux dans la pureté de l'Esprit. Le pape François va maintenant donner sa bénédiction. In nome Domini benedictum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Bénédiction finale du pape François à l'issue de ce consistoire ordinaire public place Saint-Pierre. L'assistance maintenant entonne le Salve Regina. Fidèles se sont joints au pape pour la création de ces 21 nouveaux cardinaux, dont 20 étaient présents ici même, place Saint-Pierre. C'est la fin de cette cérémonie. François donc se prépare maintenant à quitter le parvis de la basilique Saint-Pierre. Les nouveaux cardinaux, eux, vont rejoindre la pièce
du palais apostolique qui leur a été assigné donc pour recevoir les hommages et les félicitations des fidèles. Quant aux fidèles, eh bien ils se retrouveront sans aucun doute tous ce soir ici même donc pour cette grande veillée de prière à quelques jours de l'ouverture du synode des évêques, synode qui portera donc sur la synodalité de l'Église. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce consistoire. Un grand merci et un salut tout particulier à celles et ceux qui nous ont suivis via nos partenaires aujourd'hui. EWTN, Santa Maria Network au Liban, C'est les Lumières, Télé Radio Espérance ainsi que Radio Gruppo de Centrafrique. Un grand salut à toutes et à tous. Et puis, évidemment, toutes celles et ceux qui nous suivent quotidiennement également sur notre site internet www.vaticannews.va ou sur notre page Facebook. Merci à toutes et à tous. Donc, une nouvelle fois, c'était Xavier Sartre avec vous, donc en direct depuis la place Saint-Pierre. Très bonne journée à vous, très bon week-end. Laudetur Jesus Christus.